Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Stranded Alien Down. On venait de subir une grosse vilaine attaque avec des gros vilains. Comment ça s'appelle? Des zanzins de siège avec des lasers. Ken a pris bien cher. Il a plein de trucs qu'il faut soigner. Et je crains de ne pas avoir assez de médocs pour tout soigner. Donc, on va faire avec. Hein. Donc, on va soigner les choses petit à petit. Il va sans doute y avoir des trucs qui vont s'infecter. Il faudra derrière ça refaire des médikits, etc. Je vais supprimer le camp, la zone là. S'il y en a qui peuvent m'expliquer en commentaire. Comment c'est censé marcher pour que ce soit facile d'utilisation? Je dis pas non, je suis pas sûr de voir vraiment l'intérêt, en tout cas dans ma configuration actuelle. Donc voilà, je veux bien des conseils. Je les ai jamais utilisés. Jusque-là, je m'en suis bien tiré. Voilà, donc si vous voulez me l'indiquer, je suis tout à fait preneur. Et merci à tous ceux qui laissent un petit commentaire, ne serait-ce que pour dire que ça vous a plu. Ça fait tellement plaisir, vous n'imaginez même pas. Voilà. Allez, et puis on a une fête de prévue à 19h. Pas vite là. Voilà, fouille par contre, ça donne. C'est toujours aussi rentable. Wow, 18 trucs de carbone. Ouais, donc là, on soigne tout ce qu'on peut. Hope avait pris quelques brûlures aussi. Où est-ce qu'elle en est, Hope? Elle est à 37% de sentience. Elle est à 7 d'intellect. Pistolet laser, très bien. Des milliards de ressources en tout genre. Ok, les brûlures de Hope sont traitées. Par contre, Ken, c'est pas encore ça. Les brûlures laser, c'est sévère quand même. Qu'est-ce qu'il fait mon petit drone là? Pourquoi est-ce qu'il va pas chercher les... Le matos? Je ne sais pas. Si je vais avoir assez de medikits là. Ouais, il m'en reste 3. Normalement, ils en prennent juste ce qu'il faut. Un Medikit, oui, tu m'étonnes que tu progresses en soins avec ça. Un Medikit permet certainement d'en soigner plusieurs. Hop, ça y est. Il s'est évanoui de douleur, le pauvre. Bon, en tout cas, ça, c'est bon. Notre vaisseau cargo. Dans l'immédiate façon, on n'a pas forcément grand-chose à lui proposer. Qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter surtout? Des baumes curatifs, mais ça on s'en fiche un peu. Du carbone, on en a pas mal. De l'huile végétale, ouais. Huile de buisson, ouais. Et viande séchée, ça va. Pourquoi il est inconscient? Douleur insupportable sans doute. Allez, on repart sur du x3. Voilà, Katina qui répare. Tu vas m'extraire, toi.
tu vas loin. Les minerais. Ouais. Je sais pas si je suis fan. Pas sûr. Ça y est, Ken se réveille. Alors, qu'est-ce qui... Oh, c'est pas possible. On coupe. On coupe les saucisses. Hop, fabrication de medikit. Normal. Ah, très bien. Les cristaux. Ça, je pourrais le fertiliser. Et c'est en mode soirée musicale. Ouais, du coup, Emine à la chasse. Un peu con. Étoile filante. Ah. J'aimerais tellement avoir à réussir à choper un autre survivant. Mais j'ai l'impression que ça. Enfin, je sais pas si c'est prévu dans ce. Ah, justement. Je suis de le dire. Requête urgente au sanctuaire Alien Down. C'est Kristan Yule qui vous parle. Nos connaissances communes m'ont confié la mission d'assurer votre sécurité dans ce secteur. Malheureusement, le consortium a réussi à me localiser et s'est lancé à ma poursuite. J'ai besoin de me réfugier en lieu sûr. Pourriez-vous m'aider? Bah oui, avec plaisir. Je serais très très heureux de récupérer un autre survivant. Espèce de stockage insuffisant. Bah, écoute, c'est pour bien grave. Hein. Yes! Il suffit que je dise que j'aimerais bien récupérer quelqu'un d'autre. Alors, que fais-tu, très cher ami? Déjà, tu vas être content d'avoir direct une chambre. Génie réalise parfois des avancées scientifiques qui accélèrent les recherches. Maladresse refuse les tâches de fabrication. Vitesse de déplacement moins 10%. Et t'aimes lancer des boules de neige, bah, je suis désolé de te le dire, tu vas pas en avoir beaucoup. Qu'est-ce que tu nous fais? Un en construction, intellect, agriculture. Pour le reste, c'est pas ouf. Bon, on peut pas dire que tes compétences soient soient les plus inutiles, mais on fera avec. Tu vas pouvoir aller chercher une épée laser et un pistolet laser. Tu vas pouvoir mettre une casquette de baseball. Et ce sera déjà un bon début. Ça va s'arranger. Alors du coup, qu'est-ce que... Bah, ça va me faire quelqu'un qui recherche en boucle. Mais ce qui n'est pas forcément tip-top pour... Pour Hope. Alors, sinon, il faudrait presque un deuxième... deuxième labo. De toute façon, je pourrais me faire un labo avancé. Je crois que je peux le faire. Ouais. Il serait peut-être temps que je m'en préoccupe. Là, je manque de place de toute façon. C'est un peu la crise du logement. Où est-ce que je pourrais le mettre? J'ai pas trop d'endroits où le mettre. Il serait peut-être, ça pourrait être l'occasion de se dire que je pourrais construire, commencer à construire la suite de mes bâtiments. Allez, c'est l'occasion qui fait le larron. Récupérer une personne de plus, c'est un signe. Presque noir d'ailleurs. Désolé. Alors, comment est-ce que je vais faire mon bâtiment? Je pourrais le faire sur
format-là à peu près. Je vais commencer comme ça. Tac. Oui, sauf que ça, forcément, du coup, il faut que je le déplace. Tac. Tiens, déplace-moi ça, s'il te plaît, Ken. Merci, mon lapin. Donc, bâtiment. Faisons un sol en bois. J'ai quoi? J'ai 373 pierres. On va commencer. Tac. On va commencer par du 7 par 10. Ça fait un escalier au milieu. Tac. Celui-là, je vais pouvoir le démolir. Mettre l'escalier ici. Alors, il me manque du bois nécessairement. Ce bois, je vais pouvoir le récupérer ici, par exemple. Globalement, tac. Tac. Arbres tropicaux coupés. Quand Doudou aime, Doudou coupe. Okay, donc il m'a fait tomber ça et j'ai une attaque qui est en cours d'arrivage. Je viens de l'entendre. Ça, je peux mettre là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il est? Les trucs d'assaut. Les trucs d'assaut, ça va, je les crains pas trop quand même globalement. En plus, ils arrivent du bon côté. Ils vont aller dans mes pièges. Tiens, il me faudrait tout de suite une autre tourelle. Là aussi, c'est un peu la crise du logement. Catina, c'est un 6 en construction. Hop, nous fait des bandages. Non, Krista, c'est certainement pas toi qui vas faire de la bouffe. Activité. La bouffe, c'est réservé. Hop. Alors, cuisiner, tac. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire, mademoiselle Krista? Tu peux aller extraire. Ça, c'est pas un souci. Soigner est à zéro en soins. Je vais peut-être te mettre deux. Manipuler, ça, tu peux faire un. C'est pas un souci. Construire, why not? Chasser, bof. Récolter ses pinces aussi, au contraire. Couper ses physiques. Ouais. Élevage, ça tu peux faire. Planter, tu peux faire. Récolter, il faut que ce soit Emeline. Hein. C'est elle ma meilleure récolteuse. Ensuite, donc extraire, fabriquer, tu fais pas, c'est bien dommage. Et puis, bah, rechercher, ça va être. Je te mets rien en deux. Livrer à la limite. Donc, tu arrêtes de faire de la bouffe. Et tu fais autre chose. Ah non, t'as rien à faire du coup. Ah oui, hop.
cuisiner, pas la viande. Ok, ça attaque. Alors, ça attaque. Donc, toc toc, mobiliser. Tu vas aller ici. Ken, où es-tu? Là. Mobiliser ici. Katina, mobiliser là. Et Krista, ça me plaît moyennement, parce que j'ai rien pour protéger, mais tu vas venir ici. Ok. Hope, tu nous fais quoi? Position assise. Ok. Ouais, une mitrailleuse s'est faite détruire. Oh. Vache. Ah ouais. Les pièges n'ont pas été très efficaces. Bon. Eh ben, on a deux qui ont pris cher. 17 heures avant. 5 par heure, ça ira. 2 par heure, ça ira. Hop, démobiliser, démobiliser. Vous allez tout de suite. Et puis bah je pensais pas que ce serait aussi violent que ça quand même. C'est lui qui n'a pas été sélectionné. Alors, Katina, tu vas tout de suite me soigner et mon, s'il te plaît. Tu soignes d'abord. J'ai dit, je voudrais que tu soignes d'abord. Voilà. Ah, c'est Hope qui va. Elle a combien Hope en soins? Ah, elle a 5. Pas mal non plus. Mais Katina a 7, je préfère. C'est quand même elle qui est la plus malade. Soigner Mine et toi, tu vas soigner Ken. Qu'est-ce que tu fous toi? Y a un petit bruitage qui est absolument insupportable sur les BC. Hop, exemple, c'est bon. Non. Impossible de soigner Mine. Merde. Qu'est-ce qui lui reste? Brûlure et une perforation. Pas cool, un par heure. Ok. Ah, il fait pas de fabrication, c'est pénible. Alors, Katina, toi, t'es encore en train de t'occuper de Monsieur Ken. C'est bon, c'est fini. Alors, Ken, tu vas me faire en priorité des bandages, s'il te plaît. Histoire que Emine arrête de perdre son sang. Soigner une, s'il te plaît. Et Ken, derrière ça, tu vas me faire des baumes curatifs. Non, tu peux pas. Pourquoi je peux pas faire de baumes curatifs?
Baume curatif. Bah si je peux normalement. Ah oui, c'est que je suis allé un peu vite. Hop, tu vas arrêter d'attendre les soins. Elle en a combien des brûlures? Il lui en faut 4. Je manque d'espace de stockage. Ok. Donc Hope va pouvoir aller me faire du soin derrière. Fièvre des nuées. Cristal, super, bienvenue. Va soigner, s'il te plaît. Émine. Mais qu'est-ce que tu fiches? Émine, couché. Et non. Oh, je vais y arriver. Non mais ils le font exprès, hein. Bon, tant pis. Hop, allez, démerdez-vous. Bon, j'ai construit mon sol ici. Donc, je vais mettre maintenant des murs en pierre par-dessus ça. Une pièce en pierre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme toit? On va lui mettre un joli auvent par là. Alors, l'entrée, pas dans le sens où je voudrais. Tac. Tac. En pierre. Je fais comme ça, c'est pas mieux. Pièce en pierre. Toujours pas. D'accord. Ah, il faut peut-être que je le tourne. RT pour modifier le sens du toit. Voilà. Hop, dans ce sens-là. 520. 500. Ah, oh, merde, j'ai oublié une. Échec. Comment je fais pour sélectionner le toit? Chantier annulé. Toujours pas. Pièce. Sais pas comment je peux la sélectionner. On va recommencer. Pièce en pierre. Hop, j'ai rien oublié là. Non, c'est bon. Tac. Et forcément, je manque de caillasse. Je manque de caillasse. Si je manque de caillasse, il faut que j'aille chercher de la caillasse. Où est-ce que c'est le plus proche? Ça va être là. Tac, tac. Et de l'autre côté. Tac et tac. Alors, je n'arrive pas à stocker du minerai. Je manque de. Ouais, je manque de place, quoi. Je manque de place. Alors, est-ce que je peux copier? Je peux copier là. Je peux copier. Non, je peux pas copier là parce que sinon il peut plus y accéder. Je peux copier là. Je peux copier là.
Et puis ensuite, je vais libérer de la place. Ah, il me faut un escalier. Escalier en bois. Il faut qu'il soit au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc ici. Et il faut du coup que je mette une porte en bois. Là. Peut-être même je pourrais imaginer en mettre une autre. Par là, ça pourrait être une idée. Voir. Non, ou là plutôt. Pourquoi là je peux pas? Non, là ça me plaît pas en fait. Annuler. Tac. Porte en bois, annuler. Hop. Toi tu vas bouger ici. Tac. Va me déplacer ça, s'il te plaît. Est-ce que tu es toute soignée? Il semblerait bien que oui, formidable. Donc, nous disions bâtiment, porte en bois. J'attends qu'il est viré. Voilà. Ah, il veut vraiment la mettre de côté. Bon, je vais le mettre là. Hop. Je vais mettre également des fenêtres. Tac. Fenêtres en bois. Ah, je ne peux pas en mettre trop parce que quand on en met trop, c'est un peu pénible parce que ça gêne le fait de placer un certain nombre de choses. Mettre là. Et puis, hop, une. Oh, patin, deux en physique, GG. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas? Ah, c'est pour les trucs plus petits. Donc en fait, c'était pas pour les matériaux de construction, c'est ça qui est plein. En effet. Tiens, je pourrais démo. Défaire ça, défaire ça. Le fumier, il a pas grand-chose à foutre ici. Hein. Toutes ces ressources que je n'utilise pas. Ichtre. Ah ouais, ça donne des trucs plutôt sympathiques quand même. J'ai combien de matériaux synthétiques? 18. Donc ça. J'ai appris à faire des armures synthétiques déjà ou pas? Non, pas encore. Ça pourrait être une idée quand même. Bien, repassons en vitesse 3. Oh, c'est top le drone. C'est tellement bien. Ça, je pourrais en faire éventuellement une copie du coup. Je sais pas trop où. Mais on a bien dit que c'était la crise du logement. Hein. Risque de crise de nerfs. Pas s'énerver. Ah, là je peux en mettre. Mettons là où on peut. Hop. Copier.
Ça fait des trucs moches, mais de toute façon, ce sera enlevé ensuite. Hop là. Éclipse solaire, un appareil désactivé. Oh, pas atteint 3 amphis. Waouh! Tiens, j'avais une étoile filante à aller explorer. Expédition, est-ce qu'elle n'est pas déjà terminée? Non, il me reste encore un peu de temps. Katina, hop. Quand tu seras réveillé. Comme en plus le bâtiment est terminé. Il est terminé. Wow, nice. Presque, le toit n'est pas fini. J'ai jamais trop su. Parce que du coup, ça a l'air libre là. Comme il attend, je suis pas sûr en fait que ce soit à l'air libre. Ça a l'air d'être à l'intérieur. Alors, on va commencer par déplacer la bouffe. Hop, on va mettre un frigo ici. Hop, un autre frigo là. Est-ce que c'est comme ça que je veux les mettre? Ouais, comme ça. La cuisinière. Ah non, là ça va pas. Et alors, c'est dans ce cas-là, il faut que je fasse autrement. Tac. Je vais mettre ça comme ça. Et ça. Là, comme dirait des proches. Si vous avez la ref, vous gagnez toute mon estime. Il me faut de la lumière aussi. Tac, copier. Mettre. Hop. Ça éclaire à 3. Voilà. Je vais mettre ma table à manger. Soyons efficaces ici. Les sièges, tac. C'est quoi déplacer ces virgules? Chaise en pierre. Non, c'est pas virgule. Ouais, c'est peut-être que je peux pas. Ouais. Hop. J'en faire deux autres. Tac. Oui, je sais que j'ai pas assez de place de stockage, ça va. J'ai compris. Ça, ce serait bien si le. L'embarquer, histoire qu'il s'abîme pas trop vite. Je vais pas donner de consigne directe. Pas d'espace disponible, merde. Bon, il m'en faut une autre, comme ça. Copie, ça fait déjà suffisamment longtemps que je le dis pour que je m'en occupe. Va me construire ça, s'il te plaît. Madame. Expédition terminée, étoile filante. J'ai trouvé un morceau de métal déformé à l'endroit où le météorite est tombé, sans doute issu d'un vaisseau. Je vais tâcher de recycler en ferraille. J'ai déjà tout ce que je veux en ferraille. Ah là 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 là.
Alors, je disais mettre un autre labo. Un labo avancé. Tout ce qu'il me faut comme matériaux. Même ceci dit, j'aurais pas dû le mettre là. J'aurais dû le mettre. Je vais mettre mes labos de recherche ici. Tac. Pas de labos, mais si j'ai des labos. T'inquiète pour. Hop. Ah tiens, il y a un truc que j'ai pas pensé à faire. Il y a mettre du truc au sol. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de tissus, oui. Donc je vais mettre du tapis doux. Hop. Histoire qu'ils aient l'impression que c'est cosy. Sinon, il se chope le debuff troglodyte. Il enlève 5 de morale. Tiens, j'ai pas vu ce que m'a apporté l'expédition. Bien. Bon, voilà. C'est fait. Ken fait de la recherche d'affût. Ceci dit, je me ferais bien. Dupliquer. Alors, il faut trouver un autre. D'abord, R. Une copie. Et ensuite un duplicata. C'est pareil, du coup je vais faire tac. Dupliquer, comme ça quand on en modifie, on modifie l'autre. Orage, au désespoir, au vieillesse ennemi. Autre référence. Pourquoi pareil endommagé? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Katina est-elle incontrôlable? Normalement, j'ai les paratonnerres qui vont bien. Ils sont balèzes les drones modernes, hein. Ils ouvrent même les portes. Ça rigole pas. Pourquoi est-ce qu'il dit à chaque fois impossible d'atteindre la torche à champignon? En termes de trucs pour soigner. Alors, j'ai pas de baume curatif, ce serait bien s'il m'en faisait quand même. Et pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à déplacer du luminule? Bon, ça c'est très bien. Ils me font des bandages. Donc je vais arriver à ma limite. Voilà. Donc ils vont passer au baume curatif normalement. Très bien. Bon. Il commence à s'installer. Bon, si je le redéplace, si je le mets au milieu.
Hop, si je le mets là par exemple. Il arrêtera de me dire qu'il peut pas l'atteindre. Non. Je ne comprends pas. Ken n'a rien à faire. Ça, c'est inadmissible. C'est parfaitement inadmissible. Je propose que Katina aille nous explorer cette source tachyonique. Hop. Comme ça, Ken pourra faire de la recherche. Et même, je préférerais que Ken fasse de la fabrication. Et que Hope... de la recherche en fait activité tututututum. Recherche, je vais le passer en 1. Bon, ça me saoule ce message d'erreur. Même chose, si vous avez une idée, je veux bien un petit commentaire qui permette de savoir où est-ce qu'il met ça? Alors, je vais pas pouvoir en faire 50, hein, mais déjà un, ça peut être plutôt classe. Robot bipède conçu pour embarquer des armes et engager les ennemis, l'opère tant que son poste de contrôle est alimenté en électricité et qu'il est en état de marche. Hop, on va le mettre. Par là. Comme ça, il se rechargera quand comme ce sera activé, ou peut-être pas. Non, je vais peut-être pas le mettre sur le circuit défensif. Je sais pas trop, il va peut-être falloir que je me fasse un autre générateur électrique. Ça va, la batterie au max, ceci dit, production, sans... Ouais, non, je suis large en fait. Bien, eh ben, on va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous ai suggéré 2-3 trucs si vous ne savez pas quoi écrire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, on aime toujours ça. Et je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.